Tu marches trop vite. C'est vrai, ici il n'y a pas de danger. Nous sommes loin des humains et de leur maudit harpon. Je sens notre petit bouger. Je ne vais pas tarder à mettre bas. Aujourd'hui, peut-être. Que dirais-tu d'une petite douceur? Merci, ce n'est pas de refus. Chasseurs? Non. Ce sont les loups. Vite, fuyons. J'en peux plus. Je t'en supplie, fais un effort. Je ne peux pas t'abandonner ici. Viens vite. Il faut leur échapper. Sauve-toi. Pense que tu vas bientôt mettre bas notre petit. Allez, viens vite. Oh non! Oh. Oh. Tiens bon! J'arrive! Thank you.
Regarde comme il est beau, ton fils. Un garçon? C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis fier de toi, ma femme. Oh. Pourquoi cet ours hurle-t-il comme cela? Pour saluer la naissance d'un grand chasseur. Aïe-yo, 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 aïe-yo. Tu es né avec le chant de l'ours, mon fils. Tu porteras le nom d'ours. Petit ours. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule. Mais je ne peux pas te laisser seule dans cet état. Ne discute pas. Va-t'en. C'est drôlement glissant par ici. Mon ventre crie famine. Tu n'aurais pas un petit poisson, une petite crevette pour moi? Elle vient de mettre bas et son petit est mort. Alors, gros ours, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Il faut que tu l'aides. Mais comment? Dis donc, le gros ours ici, qui c'est? C'est toi ou c'est moi? Pour réfléchir, il me faudrait un petit poisson dans l'estomac. Juste un tout petit. Non. Même un poisson microscopique. Non, 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 et encore non. Tu es sourd? Crotte, 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 ouille! Quel empoté cet oiseau! Essaie un peu de te poser avec des plumes gelées. Ça te passera l'envie de te moquer de moi. Évidemment, tu ne comprends rien à ce que je te raconte. Mais c'est un grand jour aujourd'hui. Je viens d'avoir un fils. Pourquoi il me parle comme ça? Hein? Il doit plus avoir toute sa tête. Bon, ça doit être l'eau de feu. Il a dû trop en boire. Pourtant, il a l'air gentil. Allez, venez ici, mes chiens. C'est la fête. Aujourd'hui, un grand chasseur est né. Oups, du crac, 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 crac. Dégage ou je te croque. Tu voudrais pas m'en donner une toute petite bouchée, sinon je vais mourir de faim. Et puis quoi encore, Plumeau? Si tu disparais pas dans les airs, tu me serviras de dessert. Non, 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 arrête, arrête. Mais j'ai compris, sec un peu, je crois.
Tu dois te nourrir, sinon tu vas t'affaiblir. Tu as besoin de reprendre des forces après ce malheur. Oh, je ne sais plus quoi faire. Quand tu reviendras, notre maison sera éclairée et bien chaude. Je dois aller chasser un ours pour que notre fils ait des vêtements bien chauds. Prends garde à toi! Yo! Avancez! Yo! Prends bien soin de notre fils! À mon enfant. Rends-moi mon enfant. C'est étrange. Cette femme m'a menacé en langage ours. Non!
as perdu la boule ou quoi? Jamais tu n'aurais dû prendre ce petit homme, ramène-le. Mets-toi de ce qui te regarde, oiseau. N'est qu'un vilain corbeau. Tu viens de faire la plus grosse bêtise de ta vie. Son père va te chasser jusqu'au bout du monde. Mais de toute façon, il le fait déjà. Oh, hein? Écoute. Je crois qu'elle meurt de chagrin. C'est cet enfant qui va mourir de froid. Lui, il n'a ni fourrure, ni plumage. Ce petit homme sera ta mort, ours. Écoute-la. Je crains son chagrin plus que le harpon du chasseur. L'homme n'aime pas qu'on touche à ses petits. Les animaux non plus, d'ailleurs. Hein? Ah, rien de mieux que le petit plongeon du matin. Et toi, tu as déjà pris ton bain? Tu pourrais au moins me répondre. Tu vas pas rester allongé là toute la vie, tu vas faire fondre la banquise. Va-t'en, je veux être seule. Et si j'avais une bonne nouvelle, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Aucune nouvelle ne sera bonne pour moi. Un autre petit, ça te ferait pas du tout plaisir? Laisse-moi tranquille. À mon avis, ils se valent tous. L'important, c'est qu'ils sachent grogner, qu'ils puissent marcher au moins sur deux pattes, pas vrai? Allez, bouge ma grosse, un peu de courage. Bientôt, tu auras un autre petit. C'est mon pauvre estomac tout vide qui me l'a dit. Et s'il a raison, j'aurai un petit poisson. Arrête alors! Mais j'essaie d'être gentil avec tout le monde, et c'est comme ça qu'on me traite. Tiens. Alors là, qui sait qui avait raison? Peut-être que l'oiseau l'a mérité de récompense. C'est fou ce que cette petite chose peut crier fort, plus fort que 10 corbeaux affamés. Regarde comme il tremble, il meurt de froid. Mais bon, faut bien que les loups mangent aussi. Je trouve ça vraiment dommage que ce petit homme soit privé de la chaleur et de l'amour d'une maman. T'es d'accord avec moi, hein? Toi, tu as une fourrure bien chaude, bien touffue. Il est perdu. En plus, il sait même pas marcher. Je n'ai que la chaleur de mes plumes, moi. Oh, il est bleu comme un gros glaçon. Regarde, il va mourir. Pas comme ça, imbécile. Te mêle pas de ça, c'est plus tes affaires. De toute façon, personne ne ferait mieux que moi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, l'oiseau? Tu es beaucoup trop brutal avec lui. Tu l'étouffes avec toutes tes plumes. C'est très fragile, un bébé. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, au moins, t'as réussi à le faire taire. D'après toi, ça mange quoi, bébé humain? Des vers de terre, des scarabées, des larves, tu crois? Ou alors, peut-être que ces petits humains n'aiment que les choses vraiment dégoûtantes. La crème au chocolat, les bonbons, les chewing-gums. Ça, c'est surtout bon pour ton ventre à toi. Ce qui est bon pour moi doit être aussi bon pour lui. Il lui faut du lait. Tu te trompes. Il lui faut des gros asticots. C'est bon pour les oiseaux. Ce n'est pas un corbeau. Ah bon, tu crois? Qu'est-ce que tu connais de bon corbeau? Croix, croix, croix. Il a plutôt la tête d'un ours blanc, alors. Oh oui, c'est un petit ours. Tombé du ciel. Un ours enchanté. Il ressemble un peu à un corbeau tout de même. Regarde les poils sur son crâne, ils sont aussi noirs que mon plumage. Moi aussi, je veux lui donner à manger. Un gros asticot bien repu. Alors il pensera que je suis sa mère. Et ensuite, je devrais probablement lui apprendre à voler. Avec toi, il serait déjà congelé. Bon, alors dans ce cas, ce serait mieux que tu le gardes, n'est-ce pas? Mon petit ours. Bon. Alors n'oublie pas que maintenant, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu seras la seule responsable. Thank you.
Qu'est-ce que tu as? L'ours! L'ours est venu, il a pris notre enfant! L'ours? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es devenu folle! Je n'ai pas pu l'en empêcher! Il a pris notre petit garçon! Non! Non! Vas-y, Titam. Essaie de marcher jusqu'à Corbeau. Il n'a pas l'air très doué, à ce que je vois. Oh, essaie encore. Voilà. Montre à Maman Ours que tu peux marcher. Maman Ours. Maman Ours. Tu as entendu? Il a déjà dit son premier mot. Il sera l'ours le plus intelligent du monde. Oh, c'est très facile de dire maman. Même les vers de terre y arrivent le premier jour. Il grelotte. Il peut pas rester dans ce froid sans fourrure. C'est très étrange que quelqu'un naisse sans une fourrure dans cette région. C'est pas normal. Où pourrions-nous bien lui en trouver une? Réfléchissons, réfléchissons. Le corbeau a raison. Il te faut une fourrure. Je ne pourrais pas te porter éternellement. Ça y est, j'ai une idée. Je vais voler une fourrure d'homme dans un campement. Hein? Faut le rendre aux hommes. De quoi tu parles? C'est la fourrure. Tu n'as qu'à l'habiller, il n'aura plus froid comme ça. Je vais le retrouver, même s'il se cache à l'autre bout du monde. Tu te souviens des cris affreux de la femelle ours quand notre enfant est né? Je savais qu'un malheur allait nous arriver. Ce ne sont que des bêtises. Nous aurions dû écouter. Ne recommence pas avec les vieilles croyances de ton grand-père. Tu dois aller voir l'esprit de la montagne. Lui seul pourra nous aider. L'esprit de la montagne? Ce n'est qu'une vieille légende idiote, n'y pense plus. Il avance bien. Oui, mais il va lentement. Beaucoup trop lentement. Allez, plus vite, plus vite. Allez, Titan, plus vite. Allez, mais il est tellement gringalé. Je sais, mais les loups l'attraperont s'il ne peut pas suivre. Ce poisson est délicieux. Maman, j'ai faim, moi. Oui, nous avons faim. Nous avons très faim. Avons faim. Avons faim. Faim. Ça veut dire que tu ne vas rien nous laisser après tout le mal qu'on s'est donné, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu en penses, petit ours? Est-ce que le corbeau a mérité d'avoir un peu de nourriture? Allez, riez, riez. Faut vraiment être un ours hein, pour trouver ça marrant, si vous voulez, mon avis. La corneille doit avoir quelque chose à manger pour nous faire rire. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, corneille? Voilà que maintenant, lui aussi veut faire le marrant. Il manquait plus que ça.
Mais c'est quoi ce bruit? Heureusement que je ne suis pas encore sourd. Où y va le corbeau, maman? Le corbeau est un oiseau très nerveux et aussi très très curieux. Mon ventre gazouille. Tu me donnes à manger? Non, tu dois d'abord me prouver que tu sais pêcher. Non, non, un ours ne rit pas quand il pêche. On ne remplit pas son ventre en s'amusant. Mais j'ai beaucoup faim. On doit avoir faim pour réussir à pêcher. Essaie encore, mais en silence. Viens, petit poisson. Maman, maman. Non, ne pleure pas, petite ours. Il faut bien que tu apprennes. Ce n'est pas facile de devenir agile et habile. Tiens, mange ce poisson. Tu l'as bien mérité. Dernière nouvelle. Grotte. C'est bizarre, un corbeau qui ne sait pas atterrir, tu ne trouves pas? Oui, bizarre. Tu verras que sur notre banquise, il y a beaucoup de choses très bizarres. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu deux ours, une grande et une plus petite, qui se dirigent vers nous. Mais elles sont encore loin. Cela veut dire que nous allons avoir de la visite et que Petit Ours aura une amie avec qui s'amuser. Est-ce que je vois Petit Ours peut marcher sur ses pattes? La vilaine corneille sait pas atterrir, hein, maman? Arrêtez de me traiter de corneille, je suis un très beau corbeau. Non, t'es un poisson. C'est bien, petit ours, tu marches beaucoup mieux. Entraîne-toi encore pendant que ta grosse maman ours fait sa petite sieste. Grosse ours fait dodo. Mais lâche-moi, mais lâche-moi. Dis donc, t'es devenu costaud, toi. Allez, avance. Nous sommes presque arrivés. Je sens qu'ils ne sont pas loin. C'est quoi cette drôle d'odeur, maman? Une odeur qu'il vaut mieux ne jamais sentir. C'est celle des humains. Petit ours veut apprendre à voler. Voler? Tu veux mon avis? Je crois que tu devrais d'abord apprendre à marcher. Non, je veux apprendre à voler dans les airs. Tu perds la boule. Petit ours sait atterrir. Aïe, mais arrête, espèce de vilain titome. Hein? Titome? C'est quoi un titome? Un titome, en fait, c'est une sorte de garçon, un genre de petit... Oh, tout ça, c'est trop compliqué. Ça me rend complètement toqué. Foqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas foqué, non, complètement toqué. Quand je te parle, ouvre tes oreilles. Je veux voler, je veux voler. Tu veux te casser le cou, c'est ça? Oui, merci, je veux casser le cou. Puisque c'est comme ça, je vais te montrer. Comme ça? Comme ça? Plus vite, plus vite. Oui, c'est bien. Oui. Comme ça. Oui, oui. Tu vois, oui, c'est dur de voler. Oui. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. À ce que je vois, les ours n'ont pas l'air très doués pour décoller. Allez, c'est facile. Regarde-moi bien et tu sauras voler à la perfection. Ouais. T'es fou, quoi? Descends tout de suite ou tu vas dégringoler. Descends, tu entends, tu vas te tuer. Moi, voler très haut dans le ciel. Tu perds la boule. Je vais me faire plumer par ta maman s'il t'arrive quoi que ce soit. Petit ours va voler. Non, pas du tout. Petit ours va se casser le museau. Descends de là tout de suite ou ta mère va me plumer le croupion. Regarde, corbeau, je vais t'apprendre comment on fait pour atterrir. Ouais. Tiens.
devrais le rendre aux humains le plus vite possible. Oui, je le sais, mais je ne peux plus me passer de lui. Oh, l'homme va te chasser jusqu'au bout du monde. Il le fait déjà. Hé, me touche pas! T'es un peu bizarre. T'es un corbeau? T'es folle! Je suis un ours! Un ours? Ma maman dit que t'es un petit homme et que tu sens très pas bon. Toi non plus, tu sens pas bon, grosse péteuse! Et toi, tu sens pire qu'un prout d'abord. C'est sûrement parce que t'es pas un ours. Il ne faudrait pas que sa maman entende de quelle façon tu traites son petit ours chéri qui est si fort, si courageux. Fort et courageux. Alors, tu te prends toujours pour un ours? Maintenant, voilà qui pleurniche. C'est elle qui a commencé. Maman, elle dit que je suis pire qu'un prout. Pourquoi est-ce qu'il sent si mauvais? C'est lui qui a commencé. Il a dit que j'étais une péteuse. Je suis un ours, pas vrai, maman? Regarde-moi. Si tu peux faire ce que je fais, alors t'es un vrai ours. C'est fastoche, tu vas voir. Non. Et hop. J'essaie encore une fois. Et hop. T'es un peu bizarre, mais en fait, je te trouve mignon. Moi aussi, je te trouve très mignonne, tu sais. Mais tu as quand même une drôle d'odeur. C'est pas grave, maintenant, je t'aime beaucoup. Viens, ma fille, nous devons partir. Dommage, on commençait à bien rigoler tous les deux. Oui, c'est dommage. Ta maman a raison, il vaut mieux que tu t'en ailles. Dis, petit ours, tu me rendras visite? Promis, je viendrai te voir. Femme, j'ai retrouvé sa trace. Je vais enfin tuer ce maudit ours. Tu dois quand même aller voir l'esprit de la montagne. Ah, encore cette légende ridicule. Allez les chiens, allez! Tu peux même plus décoller avec ton gros ventre. La grosse corneille doit faire un petit régime. Ça suffit, arrête de me traiter de corneille. Donnez-moi à manger par respect pour mon invalidité. Invalidité? Qu'est-ce que c'est? Oui, explique-nous, corbeau. C'est quand on ne peut plus marcher parce qu'un ours s'est mis dans la tête qu'il savait voler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ours qui vole, dis-moi? Je m'en souviens pas. C'est rien, j'ai rien dit. Tu oublies tout ça. J'ai bien mérité un petit poisson pour avoir fermé mon bec. Apprends d'abord à atterrir, corbeau. Petit ingrat, va! Allez, viens, je vais t'apprendre. Regarde-moi, tu me regardes, hein? Oh! Voilà ce qui arrive quand on se moque des oiseaux. C'est parce que je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Oups, touchez pas à mon petit! Bande de misérables! Espèce de monstre! Vous l'aurez bien cherché! Non! Attends, je vais te friser les moustaches, gros museau! On se reverra, nous reviendrons. Tu ne penses qu'à te goinfrer toute la journée. C'est pour ça que tu oublies de faire ton travail.
Tu dois nous alerter dès qu'un danger approche. Vous me distrayez tout le temps, c'est votre faute. Incroyable! Quand je pense que je me suis cassé l'aile en plus de la patte. C'est à cause de tes atterrissages catastrophiques. Ouais, c'est ça, j'adore ton sens de l'humour. Maman? Oui, petit ours? Pourquoi papa ours n'est pas avec nous? Il aime vivre seul sur la banquise. C'est sa meilleure amie. Ce n'est pas le moment de dormir. Nous devons partir chasser le phoque. Vas-y avec le corbeau. Moi, j'ai encore sommeil. Ce n'est pas en dormant qu'on remplit son estomac. Viens. Oh non, maman, j'ai pas envie d'y aller. Ça peut attendre demain. J'ai le ventre qui va exploser. Moi, j'ai faim. Allez, debout, petit ours. Si je comprends bien, ça t'est égal que ta maman ait le ventre vide. Tu ne dois pas désobéir à ta maman. C'est très vilain, ça. Allez, dépêche-toi. J'ai pas envie. Tu m'as bien observé, petit ours. Ce que j'ai vu, c'est le phoque qui t'a échappé des pattes. Ce poisson est trop petit pour nous deux. Trop petit pour nous trois? Je t'en supplie, Fifi, je suis en train de mourir de faim. Tant pis pour toi, moi je vais dormir. Non! Ours. C'est à toi de plonger. Tu dois me prouver que tu sais attraper un phoque. J'aurais pu l'attraper, mais toi, tu lui as fait drôlement peur en plongeant. Il y en a plein d'autres, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que t'attends pour plonger, petit ours? On va pas y passer la nuit. Mais je n'ai pas envie, gentille maman ours. L'eau est complètement gelée. Il n'y a pas de gentille maman qui tienne. Tu dois plonger et me rapporter un beau phoque à manger. Et un plus gros pour le corbeau. Dans mes bras. Je vais te réchauffer. Tu as pêché des poissons invisibles ou quoi? C'est étrange que tu aies toujours si froid. Tu es vraiment différent. Il a l'air d'un bigorneau sans sa coquille. Il me fait tellement rire que j'ai le bec qui se déboîte. Tu as retrouvé ton sens de l'humour? Tiens, Corley! Allons. Il s'est moqué de moi. C'est bien fait pour lui, ça lui apprendra. Et comme ça, il pourra l'attraper lui-même, son poisson. Étrange, il ne nous a même pas vus. Maintenant, il ne chasse plus que l'ours. Il est complètement obsédé par l'ours. Fait pas bon d'être un ours blanc sur la banquise ces temps-ci, crois-moi. Tu as parlé à l'esprit de la montagne? Je t'interdis de me reparler de cette légende.
L'esprit ne fait aucune différence entre les animaux et les hommes. Peut-être qu'il a transformé notre enfant en ours pour qu'il puisse survivre dans le grand froid. C'est pour ça que tu ne le trouves pas... Tais-toi, femme! Attends... Tu es en train de perdre la raison! Où vas-tu encore? Allez! L'esprit de la montagne. Des oiseaux très nerveux. Il nous prévient peut-être que les loups approchent. Je vais voir, reste ici. Pourquoi? Je veux venir avec toi. Petit ours n'a pas peur des loups. Ce ne sont pas des loups, c'est bien pire. Qu'est-ce qui est pire? L'homme. Je viens. Non, ne bouge pas. Mais je veux aller avec toi. Je t'ai dit de rester là. Je suis capable de tuer un homme d'un seul coup de patte. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Rien n'est pire que l'humain. Reste ici et ne bouge pas. Moi, je peux combattre l'homme et aussi bien que toi. Je t'interdis de sortir. Bien, approche. Je suis ton père. Tu es mon fils, mon enfant. C'est vrai que tu ne sais pas parler notre langue. Tu crois que tu es un ours? Je te ferai redevenir un être humain, et très vite. Maman? Maman? Gentille maman? Réveille-toi! L'homme, il est là! Je t'en prie, réveille-toi! Oh, maman, gentille maman! Petit ours. Petit ours. Écoute-moi bien, mon petit ourson. Tu es grand maintenant. Tu peux te débrouiller seul sur la banquise. Va voir l'esprit de la montagne. Il pourra t'aider. Tu es là-haut, maman? Adieu, petit. Tu voles comme le corbeau maintenant? Eh oui. Attends-moi, maman! Ta vraie maman va pleurer de joie en voyant que tu es vivant.
J'ai retrouvé Petite Ours. Viens, mon enfant. Enfin, te voilà de retour à la maison. Petit ours, viens embrasser ta maman. Allez, viens. Nous allons devoir être très patients. Il est vraiment sauvage. N'oublie pas qu'il a été élevé chez les ours. Il lui faudra beaucoup d'amour. Tu es devenu un ours sauvage, mais tu restes quand même notre petit garçon. C'est toi, Corbeau ? Où est maman ours ? N'aie pas peur, c'est seulement le corbeau dehors. Maman, c'est toi dans le ciel ? Tu voles comme le corbeau ? Si seulement je pouvais comprendre ce que tu dis. Il était une fois un petit phoque qui mourait d'envie d'être une énorme baleine au milieu de la mer. Le petit phoque nagea jusqu'à l'esprit de la mer et lui dit « Je ne veux pas être phoque, esprit de la mer, car en réalité, je suis une baleine enchantée. » « L'esprit ? Maman ours ?» « Allons, calme-toi, calme-toi. » L'esprit de la mer lui répondit « Si tu dis vrai, alors tu pourras accomplir les 3 épreuves de la baleine. Tu devras nager dans le bras de mer qui coule entre les 2 hautes montagnes. Cela requiert la force d'une baleine. » Étrange, il refuse toujours de parler notre langue. Mais notre fils parle la langue des ours. Il sera le plus grand des chasseurs. Il parlera avec les autres enfants au grand campement. Attendez le grand chasseur du siècle dernier. N'aie pas peur, petit ours. Il y a toujours beaucoup de bruit de moteur en ville. Et quand ton père aura vendu ses peaux, nous rentrerons vite chez nous. Il ne t'arrivera rien. Maman est avec toi. Nous devons rendre visite à la famille. Ils aimeraient beaucoup te voir. Ensuite, nous rentrerons vite chez nous. Je te le promets. Je ne veux pas y aller. Suis-moi, n'aie pas peur. Si je peux le faire, toi aussi. Et je ne veux plus que tu grognes. Ils vont se moquer de toi. Tu es l'original de la famille. Pourquoi continuer à chasser à l'arc et au harpon alors qu'il y a des fusils ? Avec une seule bâche déterminée, le meilleur moyen, c'est de piéger les ours avec de la nourriture. Il est encore sauvage. Hé, le voilà. Il a une drôle de frimousse. Je dois partir retrouver l'esprit de la montagne. C'est maman ours qui l'a dit. Écoutez-le, il grogne. Alors, tu te prends pour un ours ? Il vivait avec les ours. Tu veux jouer avec nous ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Il grogne, c'est rigolo. Tu connais le jeu de l'ours ? Viens, suis-nous. C'est moi qui fais l'ours. Non, c'est mon tour. Il s'enfuit.
Il est complètement toc-toc. Sur un nuage. Je trouve pas ça drôle, tu peux m'aider? Un grand bloc de glace se dirige vers toi. Attends mon signal. Attention, vas-y, saute. Je crois que j'ai bien fait de passer dans le coin. J'ai bien mérité un petit saut, non? Je te croyais disparu. Tu ne sais pas que les corbeaux vivent une éternité. Mais attention, attention. Oh, Dieu. Il faut que je parte, je dois trouver l'esprit de la montagne. Ah bon? Et pourquoi l'esprit de la montagne? C'est Maman Ours qui me l'a demandé. Tu en es vraiment sûr? Tu crois qu'elle avait toute sa tête? Est-ce que tu sais où il se trouve, l'esprit? Pas du tout. Même si je te donne un petit saumon? Si j'ai une douceur tous les jours, ça change tout. Viens, suis-moi, petit ours. J'ai peut-être une idée. C'est ici? Je crois bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'entre seul? Bien sûr, c'est bien toi qui veux le voir. On doit être tout seul pour voir l'esprit de la montagne. Mais toi, tu ne vas pas partir, hein? Mais non, ne t'inquiète pas. Je vais t'attendre ici. N'oublie pas ce que tu veux, être un ours. En attendant, moi, je ferais bien une petite sieste.
Misérable petit humain, que viens-tu faire ici? Je ne suis pas un humain, je suis un ours. Ce que j'ai devant moi n'est qu'un humain. Très faible et tout minuscule. Maman ours dit que je suis un petit ours enchanté. C'est parce que tu parles la langue des ours qu'elle dit cela. Mais moi, je veux être un ours. Je suis déjà un ours. Mais l'ours est grand et très fort. Regarde-toi! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maigrichon. Comment comptes-tu t'y prendre? Pour devenir un ours. Maman ours m'a tout appris et puis... elle m'a dit d'aller voir l'esprit de la montagne. C'est bien toi, n'est-ce pas? Et pourquoi penses-tu qu'elle t'ait dit cela? Toi seul peux m'aider à devenir un vrai ours. Si comme tu le dis, tu es vraiment un ours enchanté, alors tu pourras accomplir les trois épreuves de l'ours. Tu devras nager et traverser le bras de mer qui se trouve entre les deux montagnes les plus hautes. Et cela requiert la force d'un ours. Si tu peux sortir vivant de la mer, tu affronteras le terrible vent du nord pendant 3 jours et 3 nuits. Cela requiert aussi la persévérance d'un ours. Si tu es toujours en vie après l'épreuve du vent du nord, alors tu devras partir à la rencontre de la terrible solitude. La solitude? Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, l'esprit? J'espère qu'il a été gentil avec toi. Il t'a donné une petite douceur ou seulement quelques bons conseils? Hein? Attends-moi! Dis donc, on dirait qu'il t'a mangé la langue. Dis-moi quelque chose, juste un petit mot. T'es devenu bébête? J'espère que tu ne penses pas ce que je pense. Je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne sais pas voler. C'est ma première épreuve. Je dois traverser ce bras de mer. Tu as le cerveau congelé, mon pauvre garçon. Personne ne peut faire ça. À part peut-être un vrai... un vrai ours. Un vrai ours, c'est ça. Mais tu n'en es pas sain. Tu le sais bien. Si. Arrête. Tu fais mourir de rire. C'est pas vrai. Il le fait. Alors... comme ça, tu as décidé de lutter avec moi, petit homme? Oui. Bien. Alors nous allons voir très vite lequel de nous deux est le plus fort. Méchante. Une ancienne loi dit que les baleines ont le pouvoir de porter secours aux humains pleins de courage. Va-t'en ! Ce garçon est à moi ! Il m'a défié ! Tu as vu ? J'ai réussi ! J'ai traversé le bras de mer à la nage ! Je suis donc un ours ! Laisse-toi faire, petit humain. En quelques secondes, je peux sécher ta fourrure et te balayer jusqu'à ton campement. N'essaie pas de lutter contre moi. Je suis le plus fort. C'est toi, vent du nord, qui parle? Oui, je suis le terrible vent du nord qui glace toutes les âmes sur cette terre. Tu ne me fais pas peur. Je suis plus fort que toi. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. C'est vraiment la danse la plus étrange que j'ai vue à ce jour. Tu me fais rire. Hé, les bœufs, bougez-vous un peu derrière.
Mais qui fait tout ce bruit? Le petit homme va mourir. Il croit qu'il peut se battre contre le vent du Nord. Tu as raison, il va mourir. Il n'y a que l'ours fort et courageux qui puisse vaincre le vent du Nord. Mais il se prend pour un ours. Il va absolument le prouver. Oui, mais ce qui est impossible est impossible. Ce corbeau est vraiment timbré. Cet humain est à moi. Nous devons finir notre danse de la mort. N'approchez pas. Écartez-vous les bœufs, sinon il va reprendre des forces. Il existe une ancienne loi qui dit que nous, les bœufs musqués, pouvons aider celui qui tente l'impossible. C'est une affaire entre lui et moi. Ôtez-vous de là. La loi est la loi. Ma vengeance sera terrible. J'ai réussi! Le vent s'est arrêté! Je suis un vrai ours! Ouais. Corbeau! Où es-tu? Qui est là? C'est toi qu'on appelle Solitude? Je n'ai pas peur de toi! C'est impossible, il ne s'est pas évaporé. Il est avec les ours. Je le retrouverai. Comment je pourrais bien faire? Et s'il préfère rester vivre avec les ours? Ah, je perds la tête. Mon fils est bien un humain. Pas un ours. Tu te souviens de notre première rencontre? Oui, et à cette époque, tu étais la plus forte. Je t'avais trouvé bizarre. Grosse péteuse. Alors, tu disais que je sentais mauvais? C'est vrai que tu sens mauvais. Allez, répète un peu. Tu sens bon. Aïe, arrête. Oh, ce ne sont que des adolescents. Aucun intérêt. Arrête.
Quoi? Un chasseur! J'ai peur! Regarde, il est vivant! Il est vivant! L'esprit de la montagne nous a rendu notre fils. Je suis ta maman, petit ours. Il est encore plus sauvage qu'avant! Maudit fils! Mordre sa mère! Tu vas voir de quel bois je me chauffe! Ne bouge pas! Il me fait de la peine, mais nous n'avons pas le choix. Il ne fait plus partie du monde des humains. Nous ne pouvons le garder. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ça va lui passer. Il faut absolument qu'il redevienne un être humain. Oui. Comme elle est triste. Va, mon fils. Qu'est-ce que tu attends, hein? N'as-tu pas réussi les trois épreuves de l'ours? N'es-tu pas un ours? Allez, décide-toi! Thank you.
frisson.